Alors aujourd'hui, on va parler plus particulièrement des communautés apprenantes. Alors si on peut définir une communauté comme un groupe qui favorise à la fois l'entraide et la montée en compétences collectives, alors on peut dire que pratiquement toutes les communautés sont en partie apprenantes, mais il y a certaines communautés qui sont plus particulièrement adossées à des formations. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui, on va voir les deux pièges des communautés apprenantes. Alors, toutes les études sur la formation à distance montrent qu'en général, eh ben, on a un vrai problème de participation des apprenants. Mais c'est pas, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, ce que les études montrent, eh bien, un manque de temps pour les responsables formation pour aider effectivement à mettre en place une vraie culture de la formation dans l'entreprise. Alors, du coup, eh bien, on a des communautés apprenantes qui meurent au bout de 3 à 6 mois, comme on l'avait vu, effectivement. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, c'est un petit peu dommage parce qu'effectivement, il va falloir recommencer. Alors, à chaque fois, pour chaque session, des fois, on fait une communauté apprenante, ou alors pour chaque formation, lorsque c'est un petit peu mieux. Mais effectivement, c'est un énorme travail. Alors, les communautés apprenantes qui devaient nous faire gagner du temps, eh bien, nous en font perdre. Et donc, peut-être, eh bien, on va avoir peut-être des solutions qui vont nous permettre de gagner du temps pour arriver à faire ces communautés apprenantes. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors pour ça, eh bien, on va voir les deux pièges. Alors attention, là, j'ai mis un petit signe juste là, pour voir, parce que on va voir des choses assez contre-intuitives. Si c'était aussi intuitif, eh bien, tout le monde ferait des communautés apprenantes qui fonctionnent bien. Donc, au premier abord, eh bien, on va faire l'inverse de tout ce qui est le bon sens. Mais on va voir que c'est assez simple et que finalement, eh bien, on va pouvoir le mettre en œuvre assez facilement. Le premier piège, eh bien, ce sont les communautés de discussion en ligne. Alors, on est habitué avec les réseaux sociaux d'entreprise ou les réseaux sociaux publics, hein, comme Telegram, Facebook, LinkedIn ou ce que vous voulez. Eh bien, on va être habitué, effectivement, à discuter en ligne. Et là, ça pose un énorme problème parce que lorsque on a des discussions, eh bien, c'est pas facile d'y rentrer. Alors, c'est tout à fait normal qu'il y a des gens qui se désimpliquent, qui décrochent à un moment donné de la discussion parce qu'ils ont autre chose à faire, etc. Mais raccrocher les wagons ou alors même simplement participer pour quelqu'un de nouveau, à part se présenter la première fois, eh ben, ça pose un vrai, vrai problème parce que c'est pas du tout facile. Et donc, on avait vu ça la dernière fois, justement, dans pourquoi les communautés en ligne meurent si vite. Alors, la solution, eh bien, on l'a vu, la solution contre-intuitive, c'est au lieu de faire des discussions en ligne, eh bien, de simplement inviter à des ateliers. C'est-à-dire que n'importe qui va vouloir faire quelque chose, qui va vouloir parler d'un sujet, j'ai un petit problème, eh bien, dit aux personnes, bah, si vous êtes là tel jour, telle heure, on se retrouve en visio, souvent, hein, parce que, sauf si la communauté est vraiment sur le même territoire. Et donc, eh bien, on peut très facilement faire ça. Alors, vous allez me dire, oui, non, mais on peut pas forcément, on n'est pas forcément toujours présent, c'est pour ça qu'on fait de l'asynchrone. Mais justement, eh bien, l'asynchrone, on a du mal à y rentrer. Le synchrone, bah, si on n'est pas là une fois, on est là une autre fois, on a les replays éventuellement, et puis encore mieux si on produit pendant ces moments synchrones, comme on l'a vu quelques fois dans ces trucs d'animation, une vraie ressource, eh bien, ça pourra aider même ceux qui n'ont pas pu venir. Et donc, tout l'objectif, eh bien, ça va être que les observateurs, c'est-à-dire ceux qui suivent et qui avaient du mal à suivre les discussions parce que ça a été énormément de messages, eh bien, juste à suivre quelques invitations. Et donc, ces invitations, évidemment, on ne va pas les mettre à l'endroit où on va se retrouver avec plein de discussions si vous continuez à discuter en ligne. Deuxième chose, eh bien, les community managers. Alors, les community managers, donc, c'est très bien. Normalement, on se dit, ben voilà, ça, c'est une très bonne chose. Eh bien, paradoxalement, eh bien, ils vont freiner l'implication. Ils vont freiner en particulier la prise d'initiative, parce que plus ils vont prendre d'initiative, et plus bah, on va avoir des membres qui prennent, bah, qui se mettent en réaction plutôt qu'en proaction. Et donc, les membres ne vont pas avoir leur communauté, ça va être le truc du community manager. Et donc, ils ne vont pas s'approprier autant la communauté qu'on voudrait, alors qu'on a besoin de quelques moteurs, quelques membres de la communauté pour prendre l'initiative, pour pas que le community manager soit tout seul, parce que sinon c'est un travail où on peut y passer toute sa vie, mais aussi eh bien, pour permettre effectivement aux membres de discuter entre eux, de faire des liens entre eux et pas simplement en passant par le community manager. Alors pour ça, eh bien, plutôt qu'un community manager, eh bien, dans ces trucs d'animation, on voit la place du facilitateur de communauté, et ce facilitateur de communauté en réseau, eh bien, il va aider les membres à organiser leur propre rencontre, c'est-à-dire qu'au lieu d'être au centre d'une étoile, eh bien, au lieu d'avoir une communauté centralisée, on va avoir une communauté, au contraire, décentralisée en réseau. Alors, pour ça, eh bien, on va faire des communautés d'ateliers. Alors, souvent, je vous ai parlé même des communautés de projets en réseau. Alors, j'ai changé un petit peu le terme parce que communauté d'ateliers, au moins, ça parle bien. Ça veut dire qu'on va se retrouver pour des ateliers. On n'est pas obligé de lancer des gros projets. Certains ateliers peuvent être répétitifs et faire des vrais projets, donc tant mieux. Mais la base, eh bien, c'est vraiment d'avoir des ateliers synchrones avec quelqu'un qui a une question. Moi, je ne sais pas comment faire. Ou alors, moi, je connais bien tel truc, j'ai bien compris telle chose dans la formation. Eh bien, allez.
Je vous propose qu'on en discute et on va travailler sur ce point particulier. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Eh ben, ça peut être fait par un formateur ou par un apprenant. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas obligé d'avoir que le formateur qui va apporter quelque chose de descendant. On a déjà ça dans la partie formation classique. Mais dans la communauté, eh bien, on peut très bien avoir un apprenant qui dit, bah, tiens, là, j'ai bien compris, je vais le partager avec vous. Ou alors, au contraire, là, j'ai un petit peu du mal et est-ce que d'autres pourraient m'aider? Alors, ceux qui sont là, eh bien, venez. Alors, on n'aura pas toute la communauté, mais c'est absolument pas un problème. Mais il suffit de deux, trois personnes. Et voilà, on a un atelier pour que ça fasse quelque chose d'intéressant. Et donc le principal, c'est que la personne qui va inviter à cet atelier, eh bien, ça soit important pour lui. Soit parce que le formateur, il veut vraiment bien faire comprendre un aspect particulier de la formation, donc c'est pas toute la formation, mais c'est un aspect particulier. Soit, eh bien, ça peut être un apprenant qui dit, bah tiens, voilà, moi c'est important, mais j'y arrive pas. Alors on va aider à organiser. Le rôle du facilitateur, c'est d'aider à organiser une rencontre. Alors ça peut être une rencontre une fois, ou alors sur un sujet un petit peu plus profond, eh bien, ça peut être plusieurs fois, c'est-à-dire une deuxième fois, une troisième fois, certains ateliers comme ça, eh bien, sont répétitifs tous les mois. Alors, pas plus souvent que tous les mois, sinon on va avoir du mal à avoir du monde dans nos ateliers, mais voilà, on va avoir quelques personnes. On n'a pas besoin d'avoir plein de monde, mais c'est ça qui va faire la vie de l'atelier, de la communauté avec tous ces ateliers. Alors, des ateliers sur quoi? Eh bien, ça peut être, on va évidemment inviter tout le monde, hein, mais viens, qui est intéressé par un sujet et qui est disponible, eh bien, ça va être un sujet sur une des formations particulières, sur un aspect de la formation, par exemple là où on en est. Mais en invitant toute la communauté, on peut très bien avoir effectivement des personnes qui ont déjà participé à la formation, qui se font une petite piqûre de rappel, et puis en plus qui vont pouvoir apporter un petit peu d'expérience. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ou alors des personnes qui sont intéressées par ce sujet de la formation particulier, même s'ils n'ont pas suivi la formation. Donc pourquoi restreindre systématiquement des invitations? On va avoir très peu d'invitations par rapport aux discussions où on a des messages dans tous les sens. Et donc, en fait, on peut se permettre d'inviter tout le monde. On voit d'ailleurs dans les études que, en fait, si on arrive à avoir quelques messages comme ça par semaine d'invitation, ça marche très très bien. Il n'y a aucun problème, effectivement, pour inviter tout le monde. Et puis, ben, les gens qui ne viennent pas voient quand même malgré tout qu'il y a plein d'activités et ça va les inciter soit à lancer leur propre atelier, soit à participer à notre atelier qui les intéressera plus tard. Alors, ça peut être aussi un sujet plus transversal. Apprendre à apprendre, comment trouver le temps de participer à la formation, etc., etc. Donc des sujets qui vont être un petit peu interformation, qui vont être peut-être aussi des liens entre deux formations. C'est-à-dire que, tiens, toi, tu as été formé sur telle chose, moi, j'ai été formé sur telle chose, mais on doit articuler ces deux métiers dans notre organisation. Eh bien, ça peut être intéressant qu'on ait un petit atelier sur comment ça se passe, et puis comment vous avez fait les choses, comment nous, on fait les choses. Donc on peut avoir des choses qui ne sont pas spécifiques à une formation. Et puis, on peut avoir aussi des exemples de mise en œuvre. C'est-à-dire, bah, tiens, finalement, moi, je l'ai mis en œuvre là. Alors, ça peut être soit on va chercher quelqu'un à l'extérieur, mais très souvent aussi, les apprenants doivent mettre en œuvre. Et puis, ceux qui ont déjà mis en œuvre, eh bien, ils peuvent dire, bah, tiens, je partage ça. Alors, soit pour donner un exemple, soit justement pour se faire un petit peu corriger, pour faire une sorte de codev, si vous voulez, en disant, bah, tiens, voilà, j'essaie de le mettre en place, mais là, j'ai des difficultés. Donc, vous voyez, il y a plein de façons de créer des petits ateliers. Et notre communauté, au lieu d'avoir plein de discussions dans lesquelles on aura du mal à rentrer, on aura quelques invitations, parce que les ateliers, on n'en a quand même pas tous les jours, rassurez-vous. Dans le meilleur des cas, on peut en avoir deux, trois par semaine, ce qui est vraiment génial, hein. Et à ce moment-là, eh bien, on va avoir des personnes qui vont s'impliquer beaucoup plus facilement. Et la personne, en voyant simplement des invitations courtes, même si elles n'avaient pas participé avant, vont plus facilement rentrer dedans, et c'est ce qu'on observe effectivement. Alors, en plus de ça, eh bien, pour avoir notre pépinière à nouveau d'atelier, on peut attendre que ça sorte, mais si on essaie de ne pas faire trop de discussions, parce que sinon les discussions, c'est uniquement ceux qui vont peut-être lancer des ateliers, les plus actifs, mais on va exclure les autres. Eh bien, on peut aussi faire des rencontres de la communauté. Alors, ces rencontres de la communauté sont plus informelles, on ne travaille pas sur un sujet particulier. On présente ce qui a déjà été fait à droite, à gauche. Tiens, on a produit telle ressource, ça peut vous intéresser. Et puis, on se pose la question aussi de faire émerger des nouveaux ateliers. Alors, si vous demandez quels sont les nouveaux ateliers que vous voulez, la réponse est j'en sais rien. Si vous demandez aux gens leurs besoins, ils vont vous répondre. Alors, dans le pire des cas, ils vont vous répondre quelque chose, mais on a du mal à définir les besoins. Par contre, si la question c'est quelles sont vos difficultés actuellement, alors dans le domaine de là où des formations justement qui sont regroupées au sein de la communauté, et bien là vous allez avoir beaucoup de choses qui se ressortent et puis vous pouvez à ce moment-là aider en tant que facilitateur lors de cette réunion la personne à se lancer. Et on peut très bien organiser un atelier où on n'a pas plus de temps pour participer que pour animer. Donc c'est pas difficile à faire, mais par contre, eh bien, ça va permettre effectivement à quelqu'un qui dont le sujet est vraiment important de lancer le sujet. Il aura juste une invitation à envoyer aux autres et c'est tout.
Alors, à vous de jouer. Alors, je suis conscient que là, je vous ai dit plein de petites choses, donc comment on invite, etc., etc., comment on organise une rencontre de communauté. Donc, ça fait pas mal de petites choses. Alors, pour vous aider, eh bien, je vais lancer un webinaire gratuit, hein, donc dans les prochains jours. Ce webinaire, il va avoir lieu le mardi 4 avril à 13 h, heure de Paris. Et donc, le but, eh bien, c'est de développer votre communauté apprenante avec des membres qui s'impliquent. Alors, c'est plus particulièrement ciblé pour les responsables de formation dans les organisations, ceux qui doivent organiser plusieurs formations pour les membres de l'organisation et qui doivent effectivement, dans ce cas-là, favoriser le développement d'une communauté d'entraide et puis de monter en compétences collectives. Et puis aussi pour les offices de formation qui peuvent regrouper plusieurs formations et avoir une communauté effectivement qui fonctionne bien. Vous avez l'invitation ici ainsi que en dessous dans la description. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, en particulier si vous êtes dans le cas où vous avez une communauté avec plusieurs formations. Hein, là aujourd'hui, on est sur un domaine un petit peu particulier. C'est vraiment les communautés qui s'adossent à des formation, alors souvent à une, mais c'est beaucoup mieux encore si on est avec des formations comme on l'a vu tout à l'heure. Et ce webinaire, eh bien, il est fait en partenariat avec Format Radio, c'est la radio, la première radio pour les professionnels de la formation. Je vous mettrai aussi en lien une petite émission que j'ai enregistrée avec l'équipe de Format Radio pour justement présenter ce que vous avez vu aujourd'hui, mais cette fois sous une forme de podcast, sous une forme plutôt audio. Et comme d'habitude, eh bien, n'hésitez pas, alors d'abord à vous inscrire, mais aussi à commenter, hein, mettez dessous, eh bien, comment ça se passe pour vous, quelles sont les difficultés lorsque vos communautés sont adossées, sont des véritables communautés apprenantes adossées à des formations. Alors n'hésitez pas aussi, eh bien, à vous abonner avec la petite cloche si vous êtes sur YouTube pour être prévenu des prochaines vidéos, pour en rater aucune, hein. Vous pouvez aussi liker, ça aide énormément tous ces contenus à être plus visibles, donc à les diffuser plus largement, hein, et puis ça aide vraiment, ça m'aide beaucoup, c'est pas grand-chose pour vous, mais c'est pour moi, ça aide vraiment à ce que ces contenus soient visibles le plus largement possible. Et puis, bien sûr, eh bien, vous pouvez aussi télécharger le guide de l'animateur 1 heure par semaine pour animer une grande communauté si vous n'avez pas encore. Et pour ma part, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.